Ben you, je suis en format vlog. Ça fait des milliers d'années que j'ai pas fait ça. Juste pour vous dire que je vais me mettre ici, il y a une nuit. Que je suis en train de faire mon décloteur. Enfin, je vais faire mon décloteur avec vous. Mais avant de vous présenter le tout, je vais vous montrer un poil de la collection que j'ai de rouge à lèvres. Et ça me fait chier. Mais bon, c'est un petit peu pour se donner un petit peu comme une vision globale sur ce que je possède. Alors, j'ai commencé ma collection il y a... Quel âge j'ai déjà? J'ai commencé ma collection il y a près de 20 ans. Il y avait plein de choses que j'ai pas jetées. Et il serait temps que je fasse le ménage. Donc vous allez voir des trucs, vous allez vous dire, mais ma grand-mère avait ça déjà. Non, non, non. Voilà, donc je vais vous montrer ce que je possède, ce que j'ai déjà trié. Et je vais trier avec vous un autre sac. À savoir qu'est-ce qui est encore bon, qu'est-ce qui n'est pas. C'est le sac de Maybe. Voilà, donc je vous amène. Il va sans dire que j'ai gardé mes pantoufles. Et tous mes produits Colourpop. Je ne les ai pas testés à savoir s'ils sont encore en bon état ou pas. Ça, je vais le faire au fur et à mesure. Je ne peux pas trier tout ça. J'ai gardé tout ce qui est Buxom pour la plupart et Bad Beauty et MAC. Et j'ai aussi quelques petits Kat Von D ici. Un peu de Revlon. Je sais pas pourquoi, mais. Apparemment, je les avais gardés, je les ai aimés. Donc, ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est là. Croyez-le ou non, ça a été trié. Ça a été trié. Sauf qu'il n'y avait plus de place. Donc, ça fait partie de mon. Voilà. Là. Et ça va jusqu'à là. Oui! Ok. Non, pas de jugement, on a dit. Si vous jugez, j'arrête mes décloteurs. Vous voulez voir des décloteurs? Vous allez assumer de voir tout ça. Et enfin, il y a ceci. Pas du tout. Et finalement, il y a ce petit contenant. Petit. Ça, c'est les produits que j'aimerais tester dans les jours, mois à venir. Donc, tout ce qui est dedans, c'est les prochains produits que je vais mettre sur ma gueule. À moins que ce soit à moins que j'ai des nouveautés à mettre. La majorité des produits qui y sont dedans, c'est ceux que je veux, les prochains à passer. Sur moi-même. Voilà, ça c'est un pyjama. Quoi? Attention. Attention. Je pourrais nager dedans. Ah. Cessons les conneries. Nous allons essayer de ranger tout ça. Les rouges à lèvres de chez Annabelle. Ils sont assez vieux. Alors apparemment... On m'a dit que c'était... On m'a dit que c'est... Où est-ce que vous êtes? On m'a dit que c'était de la cire, que c'était pas grave. Mais... J'aime pas tellement l'aspect mousse-mousse autour des... autour des boulettes. Fait que du coup, je ne vais pas garder ça. Ça, c'est vieux, de L'Oréal. Je sais même pas qu'est-ce que ça sent. Est-ce que ça existe encore? C'était un côté gloss, un côté baume, parce que le liquide était trop sec. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ces produits-là, de CoverGirl? Il y avait un côté rouge à lèvres, normal. Très sec maintenant, parce qu'ils sont pourris. Et un côté métallique à mettre au milieu. Oh mon dieu, ça sent d'ici. Annabelle, Annabelle, Annabelle. Partie. C'était la marque qui m'avait envoyé les produits Annabelle. Je pense que c'était ma première vidéo YouTube, c'était un concours. Imaginez. Ça aussi, c'est la même chose. C'est un produit de chez Wet n Wild. Et il y a aussi un petit peu de mousse dessus. C'est encore un bon produit. Mais il y a de la cire. Et j'ai déjà ce genre de couleur. Donc, il n'est pas en mauvais état. Il sent bon. Mais je sais pas, je trouve pas que ça se donne bien non plus. Ça salit vite et tout avec ça. Vous vous rappelez de ça, une année, Sephora, ils avaient décidé de faire une mini collection comme ça. Et il y avait plein de nudes à l'intérieur. Je pense que c'était
mes premiers rouges à lèvres nude. Et je sais que c'est Coffee Break with Dani qui avait acheté ça et qui avait conseillé. C'était vraiment un cool concept parce qu'il n'y avait pas beaucoup de produits à l'intérieur. Ben, il y en a quand même pas mal. Sauf que je ne les ai pas assez utilisés et il y a encore plein de cire autour. C'est vraiment super vieux. Même chose pour celui-ci. Il y a plein de... Il y avait un cheveu à l'intérieur déjà. Il y a plein de mousse dedans. Qui est... Pas de la mousse, mais du wax. Ces produits de Rimmel. C'était Rimmel qui me les avait envoyés. Il m'avait envoyé toute la collection jadis. Du temps où j'étais sur les PR list et que j'avais 0 abonnés, mais que c'était pas grave. ils sont vraiment très très vieux. Vraiment super vieux. Ils étaient super jolis par contre. Je pense que c'est la première fois aussi que j'avais des rouges à lèvres nude. Alors du coup, je les aimais pas autant que maintenant. Aujourd'hui, ça serait des jolies couleurs que j'aimerais porter, mais vu la vieillesse du truc, c'est vraiment... Je pense que j'avais eu ça avant que je sois avec Mathieu. Et je suis avec Mathieu depuis genre 11 ans. Donc non. Ça, c'est encore en très bon état. Il me semble... Oh, peut-être... Oh non, c'est assez chiant. C'est assez chiant. Dans le truc. Est-ce que vous allez voir? Oui! Oh mon dieu. Nope! Ah! Ça, c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Sauf que j'ai l'impression que je mets plus du rouge à lèvres comme ça, mais en stick plus que en rouge à lèvres. Mais la couleur est vraiment belle. Ça s'appelle Molten Bronze et c'est un métallique. Il est beau quand même. Il a un petit métallique vert dessus. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Oui. Oh, on va lui donner une chance. Ça là, sur moi, c'est pas très beau. Enfin, comme ça, ça a l'air pire que ce que c'est, mais c'est un rouge à lèvres de Kat Von D. Je sais pas si ça va être très flatteur sur ma peau. Je ne pense pas du tout. Mais il est encore en bon état. Il sent encore bon. Donc je vais le laisser de côté. Peut-être pour quelqu'un. Ça, c'est un ultra métallique lip. Je les aime pas tellement, ceux de Colourpop. Enfin, j'aime plus vraiment les ultra métalliques. Ni le trend métallique en général. Sauf lui, il a un petit shimmer. En fait, c'est ça qui... Pas un shimmer métallique, mais plus un duochrome. Qui marque pas les ridules. Tandis que ça, là, ça serait genre un fard à paupières idéal. Donc, on veut pas ça. Et en plus de ça, il est vraiment super vieux, là. Il a vraiment séché. Oh mon dieu, c'est Joe Fresh. Ils avaient fait une année un paquet qui ressemblait à un paquet de feutres. Et je pense que c'est ça qui m'a attiré. Ils ressemblaient vraiment à des feutres. Et c'était des lip stains. Et c'était en format feutre comme ça. C'est tellement inconfortable. Super sec comme texture. La couleur est belle, mais vraiment désagréable sur les lèvres. Et ça fait super longtemps que j'ai ça. Ensuite, ce produit, je l'aime bien. Je l'avais payé 12,49. Non, je n'ai pas dû payer ce prix là. De L'Oréal. Il sent encore bon. Il est encore bon. Ça fait pas super longtemps que je l'ai. Bon, pas super longtemps. C'est relatif, mais il est encore en bon état. Peut-être que je vais trouver quelqu'un qui sera content. Ça, c'était la marque qui me l'avait envoyé. C'est Make Up For Ever. Et c'est un rouge à lèvres. Il est... Ouh là là, excuse-moi, il a fondu. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça s'est écrasé? Wow, c'est pas normal ça. Ok, il était comme tout liquide en haut, très bizarre. C'est beaucoup trop liquide pour être porté comme genre de couleur sur les lèvres. Je trouve que c'est le genre de truc qui va baver tout de suite. Si... Non. Ça, c'est un rouge à lèvres de Essence. C'est vraiment pas un mauvais produit, c'est juste que c'est pas une marque vers laquelle je me tourne forcément. En plus, c'est un fini un peu glossy, c'est très joli. Mais je vais pas le garder pour moi, mais peut-être pour quelqu'un d'autre. La couleur, c'est Blush My Lips. Ça, c'est neuf encore. Je pense que si c'est neuf ou pas, je sais pas. C'était la marque personnelle qui me l'avait donné. C'est un gloss en forme de sucette.
J'aime pas tellement le packaging, puis ça coule de partout, donc je vais pas le garder. Produit de CoverGirl, super vieux. Je me rappelle pourquoi j'ai acheté ça. Oh là là, ça pue. Non, ok, non, laisse faire. Ça, j'aime beaucoup les Color Whisper de Maybelline. J'en ai gardé, je pense, quelques-uns. J'ai pas gardé les foncés parce que... bon, premièrement, c'est extrêmement vieux, mais en plus de ça, j'aime beaucoup le glossy, mais j'aime pas avoir du glossy stain foncé. Je sais pas si vous voyez. Ces couleurs-là, j'aime avoir du orangé ou du nude ou... oui, je suis une autre personne. Ou du marron ou du nude. Mais c'est encore un bon produit, mais c'est vieux. Je me sens pas... Mon âme est pas tranquille de le donner à quelqu'un. Ça, je l'avais acheté, il me semble, quand j'avais été en France, chez Etam. C'est un rouge à lèvres liquide très joli. J'ai beaucoup de rouge à lèvres liquide que j'aime beaucoup plus que cette marque-là. Donc, il est bon, mais je vais le donner à quelqu'un. Ça, j'aime beaucoup ces produits-là. Dans le même ordre que les Color Whisper, c'est les Color Burst de Revlon. Même idée. Mais je le garde pas pour la même raison, c'est que j'aime pas tellement cette couleur sur moi. Quoique là, je la regarde et je me dis, me trompe-je? Ça, j'aime plus tellement cette marque-là. C'est un lip stain de NYC. Je pense que la couleur, l'odeur me rebute aussi. Le parfum qu'ils mettent à l'intérieur, j'aime pas tellement. C'est encore en très bon état, ça fait pas super longtemps que je l'ai, mais je l'aime pas tellement. Alors, ce gloss... C'est un gloss de pupa, mais c'est beaucoup trop périmé. Il manque le bout. C'était la même idée que les Joe Fresh. C'était un crayon feutre, stain, et au bout, il y avait un baume à lèvres. Mais inexistant maintenant. Est-ce que quelqu'un était déjà sur YouTube quand ça s'est arrivé? Cette mode-là. Moi, j'en avais acheté plein à cause de Estée Lalonde. Et Sea Button. Pourquoi cette couleur? Je ne sais pas. Il n'y a pas énormément de produits dedans d'après ce que je vois, il n'y a que genre ça. J'aimais bien l'odeur mentholée de ces produits là. Je pense pas qu'ils soient encore bons maintenant. J'ai un petit produit de Sephora, un petit rouge à lèvres. Je pense que je l'ai utilisé peut-être une fois, il est encore neuf. Il est là. Je vais le garder de côté. J'ai aussi ce produit de Too Faced. Quelqu'un se rappelle de cette mode? J'en ai acheté genre plein à cause de Sananas. Je me rappelle, j'ai acheté le Chihuahua et le Strawberry. Celui-là, c'est le Melted Candy. J'en ai gardé plein. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui faisait qu'avant j'achetais ce genre de couleur-là? J'ai changé. Je ne suis plus la même. C'est ça. Ouf, je sais pas si ça sent encore bon ce truc-là. Ça sent encore bon. Mais j'offrirais pas peut-être un truc. Comme... Non, je peux pas faire ça. Ah, un autre Color Whisper. Rose cette fois-ci. Ouh, il est beau lui. Il est clair. Mais il est sympa. Revlon Color Burst. Make Up For Ever m'avait envoyé ça il y a quelques années. Et c'était cool parce que j'ai utilisé ce genre de rouge à lèvres à mon mariage. Et j'ai pris le rouge et l'autre côté il y avait ça pour sceller la couleur. Ça n'a pas bougé de la journée. J'aime bien ces produits là, sauf que je ne mets pas cette couleur là. Il est encore très bon, je vais le donner sûrement à quelqu'un, il est neuf. Ça c'est quoi? C'est un produit de Boxom. C'est un vieux rose, très joli. J'ai déjà utilisé apparemment. Mais c'est juste que j'ai plein d'autres couleurs comme ça et du coup je ne vais pas le garder. Celui-ci c'est un Kiko. Bon. Il n'y a pas de nom sur ce que c'est. Ah, attends. Non. Produit inconnu. Bon, you, yeah, you. Encore une fois, cette couleur. Why? Why is it is? C'est un peu glossy aussi. Ça sent encore bon. Ça, c'est méga, méga vieux. C'est un produit de Lancôme. Je ne me rappelle même pas où je l'ai eu. C'est un gloss pailleté. Oh là là. C'est le croûteux. Ok, non. Laissons faire. J'ai un produit de NYX. Qu'est-ce que c'est? Je suis à contre-jour, je ne vois rien du tout. Un soft matte lip. Il est cool.
Sauf que j'ai d'autres couleurs comme ça et il est sec maintenant. J'ai l'impression. L'est-il? Ouais, il est tout sec. On sent qu'il n'y a plus rien dedans. J'ai un produit de chez Kiko. Ça m'énerve ce genre de packaging, je peux vous le dire. C'est un gris, un très beau gris, sauf que il est un peu trop glossy. Moi, je préfère un gris mat. Pour moi, c'est plus facile à mettre. Est en bon état, je vais le laisser de côté aussi. Ensuite, j'ai ici un studded lipstick de chez Kat Von D. Très belle couleur, mais je l'ai déjà. Je l'ai laissé de côté, il est encore bon. Un autre produit de NYC. Encore une fois, cette couleur. Et elle est partout. Ça, ça. Ça là, ça sent tellement fort le fruit qui n'existe pas. C'est horrible. J'avais ce produit de Lise Wattier. C'était, c'est glossy. Encore une fois, cette couleur. J'ai gardé l'orange comme ça, mais pas le, pas le, pas ça. Ensuite, ici, j'ai un produit de chez Shiseido. C'est pas une marque que je mets tellement, c'est un liquide. C'est très glossy aussi. Vu l'état du truc, je vais le laisser partir. J'ai un produit de Guerlain que j'ai acheté moi-même à une époque. Encore une fois, cette couleur. À quoi pensais-je? Puis, ici, c'est quoi? C'est un produit de Wet n Wild. La fois, ils ont fait une collab avec Fergie. Ben oui! En fait, j'ai deux passions de couleurs, bordeaux ou rose, je ne sais pas. C'est encore en bon état, mais c'est super, super vieux. Bonjour, chachou. Tu vas venir marcher dans le rouge à lèvres? Ici, j'ai un produit sans nom. C'est quoi? C'est un lip gloss de MAC? Non. Lip gloss. Si, c'est un lip gloss. Ce qui est encore bon. Ben oui, pourquoi il est là? Il revient à la maison, lui. Oh, trop beau. Et pourquoi il est parti? Reviens chez moi. Oh, CoverGirl. NYX. Mais pourquoi il est parti, lui? Ah ouais, j'ai déjà des couleurs comme ça. Il est encore très beau, mais je vais le laisser de côté pour quelqu'un, peut-être. Ensuite, j'ai ces jolis produits de Rimmel, mais ils sont très vieux. Les Apocalypse, j'en ai deux que j'aime beaucoup. Il y a Stellar et Big Bang. Big Bang est rouge. C'est une très belle couleur, je vais le laisser de côté pour quelqu'un. Ensuite, ici, c'est encore les Rimmel. Oh mon dieu, les vieux Rimmel que j'ai reçus. Quelqu'un se rappelle de OCC? Le produit genre que personne ne terminera jamais, mais c'était tellement beau, mais c'est maintenant trop tard pour le mettre parce que je pense qu'il est périmé. Je pense, ça n'existe même plus. Oh mon dieu, oui, je pense. Ben, ça sent comme ça sentait au départ, mais je ne sais pas. Il n'est pas périmé. C'est chou. J'ai un produit ici de Givenchy avec sa petite mousse autour. Ça fait toujours pas plaisir, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Jem. L'année où Sephora avait fait une collab avec Jem et que c'était la pire collab de l'humanité, c'était tellement la décevance. Et il reste ce produit liquid matte. Encore de cette couleur. Ultra Glossy Lip, je pense qu'il est périmé. Oh, trop décevant, c'est la collaboration avec Hello Kitty. Non, une collaboration de Noël, je pense. Donc, il est périmé. Colorburst, encore une fois. C'est un produit de Clarins. J'ai pas beaucoup. Ça, je sais que c'est la marque qui l'a envoyé. C'est pourri. Voilà, comme ça, c'est. J'ai un autre Sephora comme ça, je les aime bien, mais j'en ai beaucoup d'autres de la marque Colourpop que je mets, que j'aime. Mais je vais le laisser pour quelqu'un, parce qu'il est encore en très bon état. Lise Wattier, avec de la mousse, encore une fois. C'est pas de la mousse, mais la cire, voilà. Faudrait que je change ma façon de dire. De la cire autour, pas mon truc préféré à regarder et à voir avec moi. Ensuite,
Ça c'est quoi? C'est Kiko? Non, Clarins, encore une fois. Tu ne sais pas cette couleur. C'est une couleur sympa, mais je m'en sers pas. Ça, c'est la marque aussi qui me l'avait envoyé. La marque qui vous envoie des choses que vous ne demandez pas. Ça, c'est Clove and Aloe. Et ça, c'est moi qui l'ai choisi. C'est la marque qui nous avait invité l'année dernière ou il y a 2 ans à aller à leur événement pour découvrir la marque et tout. C'était cool, mais je pas grande affinité avec, avec le produit et la. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Make-up Forever Mini. Qu'est-ce que c'est? Plus d'encre. Un gloss de Make-up Forever aussi. C'est toujours la marque qui me les avait envoyés. C'est un plexiglos, je pense. C'est beaucoup trop intense pour moi, ça. Est-ce que ça sent encore bon? Non, my god, non, pas du tout. Un autre ultra métallique lip de Colourpop. Non. Qui veut ça? Personne. Personne veut cette chose. Non. Non, merci. Ensuite, Lisoitier. C'est quoi ça, un gloss? Oh my god, c'est périmé. Oulala, non. Non, non. Ça. Pourquoi j'ai un produit de By Beauty ici? Il est encore très bon. C'est peut-être mon affinité avec la couleur. Cette même couleur. Je l'ai laissé de côté. C'est encore un très bon produit. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. J'ai dû revoir une influenceuse une année parler de ce truc-là. J'en voulais. Et finalement, oui, c'est un bon produit, mais j'ai aucune affinité avec la marque Revlon. Non, oh, ça sent l'hôpital, ça sent l'alcool en fait, un peu berk. J'avais acheté ce Enquête du rouge à lèvres vert parfait de Hard Candy. Il était pas mal, mais je sais pas, il lui manque quelque chose, il lui manque un peu de foncé dedans. C'est beaucoup trop. Non, c'est pas assez, assez foncé pour moi, c'est pas ça que je cherche. J'ai beaucoup de rouge à lèvres Revlon comme ça. Oui, parce qu'à une époque, j'en achetais beaucoup de ces rouges à lèvres là. C'était comme très, c'était comme les seuls accessibles à tous. C'est encore bon. Peut-être que quelqu'un va le vouloir. Ça, c'est un personnel. Je suis pas très personnel. En plus, ces rouges à lèvres Frost. Non, non, non. Thank you. Non. Non, je ne peux pas faire ça. Mon fils se ferme pas. Ça n'existe plus, ce produit c'est vieux, c'est un L'Oréal. Quelqu'un se rappelle de ça? Ça m'avait toujours halluciné que ça s'ouvre par le bas comme ça. C'est pas un mauvais produit, mais c'est extrêmement vieux. Ça, même chose, je pense que je vais l'offrir à quelqu'un. C'est une belle couleur de Etam. Ça, Lisoitier. Je sais pas si c'est moi-même qui me suis offert ça ou pas, mais c'est pas moche comme couleur. Je vais l'offrir à quelqu'un, il est joli. Ça, c'est ma soeur qui me l'avait offert une année. Elle savait que j'aimais le make-up et elle voulait m'offrir quelque chose de marque. Et on avait choisi ce gloss de Christian Dior. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Est-ce que quelqu'un a encore ce genre de produit? Évidemment, c'est plus bon du tout. Ça sent rien. Mais ça m'a fait plaisir à avoir. Je vais pas garder un packaging pour garder un packaging sentimental. Je suis même sûre qu'elle a déjà oublié qu'elle m'a offert ça dans la vie. Ensuite, un autre ultra métallique clip de Colourpop. C'était vraiment pas les premiers. Était vraiment pas bon là. Vraiment pas. Puis pour la plupart, ils en avaient pas assez de produits à l'intérieur. Un autre rimmel. Ça, c'était cool. Je jette un Joe Fresh. Ça, c'est un produit de Lisoitier, encore une fois. Un marron. Je pense que. Tout d'un coup, je suis en train de me demander s'il y avait du son avant. Si on n'avait pas, bah écoute, je suis débarrassée de ça. Nous serons prêts en reste. Et on continue. J'ai ce gloss de Rimmel. Je déteste l'odeur de ce gloss. Je l'aime vraiment pas du tout. Je sais pas s'il est encore bon. Il est encore bon, mais. Ce produit de Sephora. Je sais pas, je ne le mets pas. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. J'en ai acheté plein en plus. C'est pas.
Non, c'est plus en très bon état. Ensuite, j'ai toujours ces petits rouges à lèvres de L'Oréal. Ils fonctionnent très bien. Je les aime bien, mais enfin, je les aime bien, mais je les mets pas. Donc, je vais les donner à quelqu'un. Ils sont encore en bon état. Puis, chez Kiko, j'ai ce rouge à lèvres. Pourquoi j'ai pris ça? Qu'est-ce que c'est que cette couleur? En plus, c'est mes achats, genre il y a 1000 ans. Qu'est-ce que cette couleur? C'est pas moche. Je vais donner à quelqu'un. Je dois avoir quelque chose qui ressemble. Ceci est un produit de Shop Missay. Je ne suis pas très attachée. Les Just Bitten de Revlon, non, je les mets pas. NYX, pas NYX, NYC, c'est vraiment trop mat, trop asséchant. C'est pas trop une bonne, un bon produit. Oh, ça, je sais pas, j'hésite. Qu'est-ce que c'est? Ah non, j'aime pas tellement. Mais c'est en bon état, je vais le laisser de côté. NARS. C'est en bon état, c'est vraiment pas mes couleurs, je sais pas ce que je fais avec ça. Personnel, je ne mets pas ce produit, ni celui-ci. Somme toute, c'est des crayons. C'est une antiquité. NYC, j'aime toujours. J'aime la couleur, elle est vraiment super jolie, mais je déteste l'odeur de ce truc. Quelle horreur. Ensuite, les Lip Lava de CoverGirl. Je pense que c'est le meilleur produit de CoverGirl que j'ai jamais eu. Mais j'ai pas pu le mettre assez souvent et c'est dommage. C'est vraiment un super cool gloss. J'ai jamais retrouvé un gloss pareil, mais il est pourri. Comment ça s'appelle déjà? Rouge velouté de Sephora, je vais l'offrir à quelqu'un. Parce que c'est un bon produit, mais j'en ai plein de couleurs comme ça. Ensuite, ça. Non, c'est vraiment très vieux. Est-ce que vous vous rappelez quand L'Oréal avait sorti tous ses rouges à lèvres avec des célébrités dedans? J'aimais bien ces produits-là, mais c'est vraiment beaucoup trop vieux. Ensuite, Laura Mercier, je crois. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Milky Way. Il n'y a pas de marque. Aucune idée. C'est pas laid. C'est pas laid du tout. Ça sent bon encore. Je vais le laisser là. Ça, je pense que c'est périmé. Ah non. Bah, qu'est-ce que je disais alors? Je lui ai donné une autre chance. Même truc de Sephora. Marvelous Moxie de Bare Mineral. C'est un gloss. Je l'aime, mais pourquoi je l'ai laissé là? Je vais le garder. Il est beau. Puis ceci de Lise Wattier. C'est un joli produit. Très jolie couleur. Je vais le garder, ça. Une année, enfin l'année où j'ai annoncé mon mariage, Lise Wattier m'avait envoyé plein de lipsticks. Et comme cadeau de mariage. C'est super gentil. Vice. Ah, oh, c'est beau ça. C'est lui. C'est sympa comme couleur. Je vais le garder, je pense. C'est ma pile de maybe. Pouvez-vous vous rendre compte de ça? Ceci de Guerlain. Je ne suis pas très attachée à Guerlain, mais je vais le donner à quelqu'un qui va l'aimer. Ça aussi, c'est Buxom Bare Mineral. C'est très joli, mais non, sans plus. Tarte. Ça sent encore bon, mais je ne le mettrai pas. Mais je vais le laisser de côté pour quelqu'un. Produit de Rimmel, excellent, je l'adore, mais je ne vais pas le garder. Ça, c'est un gloss. Une année, ils avaient fait des mini gloss pour leur pop.
Il est encore bon, je vais le garder. Je vais lui donner une dernière chance. Buxom, rouge à lèvres comme ceci. C'est pas quelque chose que je veux garder. C'est pas un mauvais produit, mais je vais le donner à quelqu'un. Ça, non. Produit de Sephora. Ouh, c'est orange. Oh, ça ne marque plus. C'était quoi comme produit? C'est glossy. C'est chouette, je vais le donner à quelqu'un. Buxom encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je déteste cette couleur. Mais je vais le donner à quelqu'un. C'est juste une question personnelle. Clarins. C'est chouette. Je vais l'offrir à quelqu'un aussi. J'offre des choses que j'aime vraiment en termes de qualité. Peut-être pas souvent en couleur, genre ça, je ne peux pas, non. Why? C'était beau ça. Ouh! Je vais le garder, je pense. Je vais l'essayer. Je vais lui donner une chance. Ok, la suite. Bon, j'ai été voir si bon, on a du son encore. Ce produit de Sephora, il est très joli, mais je ne m'en servirai pas. Ce gloss de Benefit, très cool. Ça fait vraiment super longtemps que je l'ai. Il sent encore bon, mais c'est quand même indécent de garder ça aussi longtemps. Ça fait encore plus longtemps que je l'ai. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait encore plus longtemps que je l'ai. C'est un produit d'Annabelle. Je pense que ça n'existe même plus. C'était un gloss. Et Ça venait en espèce de tube à essai comme ça. Il fallait... Hey, je viens de me rendre compte que c'est les mêmes embouts que les Juicy de Colourpop. Comme quoi, rien de ça. Ce produit de Lancôme, je ne m'en servirai pas. Je l'ai essayé, mais il est encore en bon état. C'est un liquide, par contre, j'ai l'impression qu'il s'est séparé à l'intérieur. Je ne veux pas le garder non plus. Puis, By Beauty. J'ai ce gloss. J'aime beaucoup leur gloss parce qu'ils tiennent super longtemps. Ils ne sont pas collants du tout en plus, c'est ça qui est cool. Le seul truc, c'est que cette couleur-là ne me va pas du tout. Elle pourra peut-être aller à quelqu'un d'autre. Ça c'est les L'Oréal. L'Oréal avec acteur H. L'actrice indienne, c'est ça. Ça fait plus qu'une dizaine d'années que c'est avec moi ce truc-là. Parlant d'une dizaine d'années, est-ce que quelqu'un se rappelle de ce produit de Maybelline? Ce produit que j'ai mis quand même assez souvent. Je ne sais pas pourquoi cette couleur rose me poursuit, mais me poursuit. En plus, c'est une rose à paillettes. Frost. C'était quelque chose, mes amis, mais c'est bien périmé, ça. Qu'est-ce que j'ai? Ça. Deux. Encore cette couleur rose de Maybelline. C'est Maybelline qui me l'avait envoyé. Non, je ne vais pas le garder. Lui, jésuite. Je pense que je l'aime bien. J'ai déjà des couleurs qui ressemblent à ça. Comment ça s'appelle? Clay Crush. Devrais-je lui donner une chance? Oui. Je vais le garder. Je vais le sauver. Bah, tant qu'à faire, chez Maybelline, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce fuchsia. Plum, ça s'appelle Plum, quelque chose, pas de Plum. Je l'ai mis vraiment souvent celui-ci et il est joli. Mais il commence à avoir des petites bulles de cire dessus. J'ai quelque chose qui ressemble. C'est un bon produit. Et celui-ci, c'est Vivid Rose. Quand ces petits trucs dessus, j'aime pas voir ça. J'aime pas voir ça. C'est un bon produit. Il est encore bon. Celui-ci s'appelle Fuchsia Flash. Non. Ça de Tarte. C'était quoi déjà? Lipurgence Lip Tint. Oh non, ça sent le pourri. Excusez-nous. Ça, c'est pourri. Ça, sûrement. Ça, il me semble que c'était bien pourri aussi. Chez Lise Wattier.
Oh my god, ça sent la colle forte. C'est le signe. C'est pas fini. Color Whisper, encore une fois, mais trop foncé pour que je le garde. C'était vraiment pas flatteur comme mon, pour. C'est vraiment trop vieux ce truc. Est-ce que j'en ai gardé ou pas? Est-ce que il faudrait que je refasse un tri. Les Lip Tar, il s'est séparé. Mais alors, séparé, lui, je sais pas si vous allez bien le voir ou pas. Est-ce que vous le voyez? Comment il s'est séparé? Ça semble mieux, ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un autre produit de Lise Wattier. Ouh, pourquoi j'ai voulu me séparer de ceci? C'est trop beau, je vais le garder. Ça s'appelle comment? Rouge fondant, non? Attends. Je vois pas le nom, c'est écrit trop petit. Charlotte. C'est un rouge fondant. Il est vraiment super chouette. J'adore cette couleur. Ça, je garde. Mon check, please. J'en ai racheté un, mais celui-ci est cassé en deux. C'est la seule raison pour laquelle je m'en sépare. Mais c'est ma couleur favorite de Colourpop en termes de. Vous voyez. En termes de luxe lipstick. Ok. Je dis au revoir. D'autres ultra métalliques lip de Colourpop, vraiment pas les plus jolis du monde. Ça aurait été tellement beau en fard à paupières, non? Je pense que c'est ce qu'ils ont fait après avec les Supernova. Ils ont dit on va prendre la même formule, on va les mettre sur les yeux. Juste ce produit de Clove & Aloe, c'est pas tellement une marque qui me transcende. Je vais le donner à quelqu'un parce qu'il est assez neuf. Ça, j'avais essayé de NYX High Voltage. J'avais pas aimé à quel point c'était trop hors de contrôle ce produit-là. C'était tellement partout et trop glossy pour la couleur. J'ai pas du tout aimé. Mais c'est un bon produit. Il est en. Non, il est plus bon. Ça, c'est un produit de AOA. Je vais m'en débarrasser. J'ai l'impression que quand les produits, je les paye pas cher. Malheureusement, j'en fais pas super attention. Et c'est vraiment. Pas bien de faire ça, faudrait que je réfléchisse à mes achats en fait. C'est un bon produit, c'est pas vraiment mauvais du tout. J'adore la couleur, mais je vais pas le garder. Par contre, le packaging est super joli pour 1$. J'ai un gloss ici de Colourpop. Est-ce qu'il est encore bon ou pas? Non, la tristesse. Ça s'appelle Tight Fit. Un autre Color Burst. Comment ça s'appelle déjà? Color Burst? Lip Butter. Depuis tout à l'heure, je dis Color Burst. Oh non, il est plus bon. Il commence. Il se défait, genre dans le. Non. Non, non. Personne ne mérite ce traitement. Où est le bouchon? Bon, je sais pas. Un Color Whisper! À l'époque, Maybelline m'avait envoyé toute la collection. J'aime pas du tout cette couleur. Ces produits sont encore bons, mais j'ai peur de les donner à quelqu'un. Ça, c'était un produit de Buxom. C'était en crayon, comme ça. C'était cool. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Non, j'aime pas, mais c'est en bon état. Fait que je vais le garder pour quelqu'un. Un autre produit de Buxom. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bon. F de chez la mouth. Ça, c'est un produit de qui? Clarins. J'ai jamais acheté ça de ma vie. Rouge éclat. Oh, c'est beau. Je vais peut-être le garder, ça. C'est encore bon, ça? Oui. Je vais lui donner une deuxième chance. Ensuite. Oh là là, ma voix se brise. Ce rouge à lèvres de Marc Jacobs, c'est la marque qui me l'avait envoyé jadis, 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 où j'avais zéro abonné et qu'il m'aimait quand même. Je n'aime pas tellement cette couleur, mais je vais l'offrir à quelqu'un, s'il le veut. Ça, c'est un produit de chez Essence. Est-ce que c'est quoi? C'est un gloss? Non, ça pue. Ouh là là, non, c'est périmé. Make-up Forever. Il n'y a plus de Make-up Forever qui ressemble à ça de nos jours. Oula. Ok, bye. Ça, c'est quoi comme couleur? Ouh, c'est intéressant. Un rouge gourmand de Lise Wattier couleur champagne.
Ouh, je vais le garder de côté. Ça, c'est une couleur de Kat Von D. Je pense que je l'ai en 14 000 exemplaires, donc je ne vais pas le garder pour moi. Ça, c'est un rouge à lèvres gris de Make Up For Ever. Je pense que je vais le garder parce que je pense que c'est un joli gris. Et il n'est pas trop crémeux. Je sais pas. Ah non, j'ai Petit Four qui ressemble à ça déjà. Non, je ne vais pas le garder. Ça, c'est un produit de Sephora. Encore une fois, il est un petit peu... Non. Lip Lingerie de NYX. J'ai toujours détesté ces produits. Il s'est séparé, vous voyez. Je pense qu'il a séché. Ce produit de NARS est un... Pourquoi il est là? Je l'aime bien, moi. C'est un crayon très joli. Où est-ce qu'il est? Il est là. Mais pourquoi je l'ai mis là? C'est à moi, ça. Je vais le garder. Puis, oh, regardez encore un lip lava de CoverGirl. Comme c'est beau et je suis trop triste de ne pas avoir pu l'utiliser. Vraiment. Oh my god. A blast from the past, attention. Si vous pensiez que les duochromes c'était nouveau, pensez deux fois. Ça, c'est un produit de Lancôme et regardez-moi ça. Le topper duochrome. Il est bleu et rose. Et... C'est beau, hein? Mais c'est vieux. Ça sent pas, mais c'est vieux. C'est vraiment vieux. J'ai pas envie que quelqu'un attrape quelque chose à cause de moi. Ça, c'est les Big Show Lacquer. Je m'en sers pas. Ça non plus. Encore un vieux Make Up For Ever. À quoi il ressemble celui-là? Oh, qu'est-ce que c'est que ce genre de couleur? C'est moi qui ai choisi ça? C'est quoi ce blanc? Qui a fait ça? Qui m'a choisi? Qui a... Non. Ça, c'est un... C'est un produit de Colourpop vieux. Colourpop est une marque relativement nouvelle, mais je la suis depuis relativement longtemps. Et là, le produit s'est complètement séparé en deux. Donc, si un jour, vous vous demandez ce qui se passe avec vos ultra matte lip avec le temps, c'est ça. Je sais pas s'il est encore bon. Quand on le mélange, il redevient bien. Je vais essayer de le mettre. C'est ultra matte lip, ça, c'est quoi? Ça s'efface aussi avec le temps, les écritures. C'est de la couleur Finders Keepers. Je le mets, attention. Alors, je l'ai mis dans mes dents. Laissez faire, ça a la texture d'un gloss. Oh my god, c'est plus du tout la même chose. Non. Ah! Un color whisper. Que j'aime pas la couleur. Produit de ELF. Lip oil. Vous voyez dans l'état dans lequel il est? Non. Qui a eu l'idée de faire un ultra metallic lip de cette couleur? Et pire encore, qui a eu l'idée de l'acheter? Bibi. Pourquoi? Non. Non, non et non. Non. Ça, c'est quoi? C'est une belle couleur, mais c'est vieux, ça. J'ai l'impression d'être partout de la même couleur. Oh, c'est encore bon. C'est quoi? C'est glossy? C'est quoi comme fini? Attendez. Pastel Shine. Maxi, je vais le garder. Il est beau, regarde. Je vais essayer. Clove and Aloe. Peut-être que lui, je vais le garder. Il a l'air joli. Oh non, il est tout sec. Laisse faire. ça, c'est un ultra metallic lip. Why? Des fois, je vous foutrais des baffes, je vous jure. Ça, c'est un produit de Maybelline. Il est tout séqué. C'est quoi ce fini? C'est beau, ça. Fruit Punch. Mais c'est des quoi? C'est quoi la... C'est quoi la nouvelle... C'est une nouvelle section? Est-ce que c'est nouveau, ça, ou c'est vieux? Le doute m'habite.
Ça dit pas c'est quoi? Bon, je vais le mettre de côté alors. J'ai peur. Écoute, Make Up Forever. Qu'est-ce que je fais avec ça? Non. Lise Wattier. C'est quoi cette couleur? Je vois rien du tout. Tartan. Mais j'aime pas tartan. J'aime pas le tartan. Oh, c'est tout sec. Ça, non. Ça. Prismatic Lip Gloss de ELF. C'est beau, ça. C'est encore bon. Qui veut un gloss de cette couleur? Pourquoi j'ai fait ça? Non. Ça, non. ELF. J'aime pas tellement les produits ELF. Je suis trop snob, peut-être. Je sais pas. C'est une belle couleur. Rien à voir avec... rien à voir avec le bouchon, mais bon. Avec le, la pastille de couleur. Ceci, les rouges For All. Bon, rappelons-nous, c'est un produit de cette année. Je vais le donner à quelqu'un. Vieux produit. CoverGirl. Qui c'est qui avait parlé de cette couleur-là déjà? C'était une youtubeuse, j'aurais jamais acheté du CoverGirl par moi-même. Je suis pas attirée. Ça, c'est un produit de Make Up Forever qui s'appelle Artist Acrylip. Comment je peux avoir choisi ce produit qui s'applique par un embout mousse et qui est aussi foncé? Je vous le demande. Ça, je sais pas ce que c'est. Si, ça doit être Sotis. C'est la marque qui me l'avait envoyé. Je tiens à le préciser. Produit de Laura Mercier. Rose, encore une fois. Je vais le donner à quelqu'un. Blast from the past, again. Qui a encore ces produits-là? C'était Maybelline qui m'avait tout envoyé. Estée Lauder, gloss. Je comprends pas ce produit. Et en plus, il a changé de couleur au complet, effectivement. Non. Ah ben, même principe que les Make Up Forever, vous avez une partie gloss, une partie qui double touch. Pas trop attiré par ça, mais en plus, bon, j'ai sali le pinceau. Clinique Chubby Sticks. Non. Ça sent le mentholé, exactement comme ceux de Revlon, en fait. Non. Et ça, c'est quoi? Glossy Box? Quand est-ce que j'ai acheté des produits? Non. 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 Encore un lip lava de la décevance. Oh, je m'en veux. Ça, c'est quoi? Sephora. Je vais le laisser de côté. Il est quasiment neuf. Ça, c'est un Ultra Glossy Lip de Colourpop. Est-ce qu'il est encore bon? Non. C'est la décevance aussi. Comment ça s'appelle? Curtsy. Un Ultra Melted Lip. Il s'est séparé lui aussi. Un Butter Lipstick. Il est vraiment bien ce produit. Sauf que je préfère mettre des Liquid Lipstick quand c'est aussi foncé. Je sais, je ne suis pas constante avec mes avis depuis tout à l'heure. Mais écoutez. Ah, il y en a un autre. Disco Pink. Pourquoi Pink, encore une fois? Je ne me comprends pas. Ça, c'est quoi? Marcel Vivid Coral. C'est une super belle couleur. Sauf que je ne vais pas la mettre. Ceci est un gloss avec lumière intégrée de Lise Wattier. C'est très vieux. Il y a lumière et il y a miroir. Do you see me? Hey! Ok. Non! Wet n Wild, j'ai jamais vu un produit qui a si mal vieilli. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la couleur originale, ça. Mais bon. Non. NARS. Je vais le donner. Comment s'appelle-t-il? Impress. Not Impress. Celui-ci, c'est un Ultra Glossy Lip de Colourpop. J'ai comme l'impression qu'il n'était pas de cette couleur-là quand je l'ai eu, mais bon.
Il est encore bon. Les gars. Attendez, je l'essaye. Non, il est pas bon. Ah! Je vais mourir. Smashbucks. Pas trop une marque. Non. Non. Oh, il reste plus que ça, les gars. Est-ce que vous êtes encore là? Pourquoi j'ai acheté Nude of Fame de Annabelle? Parce que c'était pas cher. C'était un peu métallique, il me semble. Pantoute. Il n'a absolument rien de spécial. Ok, celui-ci de Sephora. Je vais l'ouvrir aussi. Je n'aime pas. Je peux vous dire maintenant, dorénavant, que je n'aime pas quand les plastiques, ils sont transparents. Parce qu'on voit tout le cracra autour et ça ne me donne pas envie d'utiliser mes produits. Make Up For Ever, c'est très vieux. Clove and Aloe, c'est une belle couleur. Je vais l'offrir à quelqu'un. Ah, oh, je n'ai toujours pas fermé des trucs magnétiques. Encore. Hein. NYX. Je sais même pas d'où ça vient. C'est quoi cette collection? Ça ne doit plus exister. Petite pensée pour mon amie Sonia Seller. C'est son rouge à lèvres préféré. Ça a été longtemps un de mes rouges à lèvres préférés. Jusqu'à ce que, ben, écoutez, la péremption prenne le dessus. Donc, so long, my friend. Le rouge à lèvres, je veux dire. L'Oréal. C'est une belle couleur. C'est tellement bourré de parfums qu'on ne peut pas savoir si c'est pourri ou pas. Hein. Oui, je commence à être un petit peu aigrie à la fin de la vidéo. On n'en veut pas de ça. Ça, Kikose. Non, Pupaz. Ouh, c'est glossy, glossy. J'aime beaucoup ce genre de fini. C'est encore bon. Je vais le garder. Ça, non. Ça... Oh là là, c'est encore plus vieux que plus vieux. C'est tellement, mais tellement mat ce truc. J'ai l'impression en plus qu'il a rétréci dans son trou. Puis, Chubby Stick. Non. Ça, c'est quoi? Anastasia Beverly, c'est un gloss de cette couleur-là qui s'appelle Potion. Et si je m'abuse, il est super pigmenté. C'est un petit peu comme lui. Pourquoi? Why? Non. C'est beau pour une photo Instagram. Hein. Ça sera tout. Merci. Alors lui, vu sa tête... Lui, de essence, est super joli. Mais je pense qu'il a fait son... Il a fait son chemin. Non, il sent... Non, ça pue. Ok. Ok. Ça, pourquoi je l'ai mis là? Je m'en fous partout. Ok. Un autre Color Whisper. C'est une papier couleur, mais c'est papier vieux, donc ça, non. J'ai jamais retrouvé son bouchon. Ça, c'est la couverture de mon lit, merci. J'ai mis ça au cas où je fasse des conneries. Liz Watcher. Comment ça s'appelle? Mochaccino. C'est une très belle couleur. Je vais l'offrir à quelqu'un, c'est un joli brun. Ça, qu'est-ce que c'est de tarte? Oula, ça pue. Ok, bon, mais ça sera tout. On finit sur ça. Je reviens. Donc, au final, ça, c'est ce que je vais me débarrasser. Ça, c'est ce que je vais donner à mon entourage. Et ça, c'est ce que... Mon linge intime... Ça, c'est ce que je vais garder comme deuxième chance. Aussi, ce tiroir. Oh, je vais avoir des teintes. C'est, ça va être les rouges à lèvres que je vais mettre à partir de ce déclutter. J'ai déjà commencé mon déclutter, mais du coup, j'ai déjà mis les rouges à lèvres dedans que j'ai déjà porté. Ça va permettre de savoir en une année ce que j'aurai mis. Donc, on verra ça à la fin 2020. Qu'est-ce que sera devenu ce petit casier vide? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un thumbs up, abonnez-vous. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!